Il est 14h10, les deux brigadiers se mettent en intervention à la recherche d'un individu qui a languetté un coup de poilon dans la gueule d'un autre individu. Bonjour monsieur. Bonjour. On va procéder à un petit contrôle. Oui. Vos papiers s'il vous plaît. C'est un papier ça? Un papier Z. Bon, on va vous fouiller. Allez. Ça a coûté iPhone, ça va? T'as la mienne, ça? Ouais. T'as la sonne. Allô, cousin? Oui. Il y a un petit écouté à vous, là. Ouais. Ok, vous l'avez intéressé? Ok, merci, allez, t'as l'air. Bon, monsieur. Vous êtes convoqué au poste car vous avez languetté un coup de poilon avec des affrites de laquelle le collègue là. Ah ouais, trop bien. Bah, j'envoie les œufs, le poilon là, ça tient. Le poilon là, ça tient les œufs avant de chérir. Là, je vais changer les œufs. Parce que d'après ce que Banal avait dit, là, des affrites pour rendre du sucre à finir et la gueule est grasée. Ouais. Ok, donc monsieur. Vous avez été agressé ou c'est lui qui agresse à vous? Ah, il agresse à moi, il faut bien me défendre à moi, chef. Ouais, mais par exemple, pas tirer un peu trop fort, non? Ça va défendre à moi au fond, il faut me défendre à moi en zone, moi. Ouais, en zone, ok. Ouais. Et vous êtes def, non? Ah, pas def, moi, mon Roger, moi. Roger, ouais, moi, Roger def. Ok. Ben, on va vous emmener, vous allez nous suivre au poste. Ah ouais? Bien sûr. Il faut bien vous dire, c'est bon maintenant? Vous finissez une cigarette? Ouais, ouais. Vous gardez une cigarette dans votre bouche tout le long, ok? Nous ne voulons pas entendre, nous gagnons aspirer tout le long et on recrache pas la fumée sous un homme, justement. Vous laissez tout le figure là, vous laissez toute une cigarette, vous aspirez. Tu comprends?